bonjour à tous, je suis Siramor. Aujourd'hui, on continue notre méga ouverture Fantasy Riders, puisqu'on a à ouvrir un pack de 24 pochettes qui vient de chez Amazon. Donc ce pack-là m'a coûté le prix qui est indiqué en haut, 7,90€. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher pour 24 boosters. Franchement, ça coûte vraiment pas grand-chose cette série avec de très, très jolies cartes. Et voilà où nous en sommes dans les ouvertures. Donc il manque encore quelques cartes, hein, on n'est pas encore arrivé au bout. Il manque globalement 53 cartes, je crois exactement, pour compléter la série. Donc ça y est, on voit le bout, il nous reste une cinquantaine de boosters là, donc ça va devenir tendu pour réussir à tout boucler avec ce qui nous reste. Donc je garde ma liste sur le côté, on va se déballer le pack. Et on va voir si chez Amazon on a le même problème que chez Stokomanie, c'est-à-dire des sachets avec un nombre de boosters indiqués mais qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a à l'intérieur. Puisque chez Stokomanie, ce sont des packs de 21 boosters, et en réalité, il y en avait à chaque fois entre 18 et 21. Jamais plus, mais souvent moins que ce qui était indiqué sur la boîte. Donc on va voir si là, on se retrouve dans la même configuration. Donc voilà nos boosters, on en a 2, 5, 6, 8, 10, 13, 16... 19, 20, et voilà, 23. 23 boosters, donc effectivement, il en manque aussi un. Bon, c'est pas grave, compte tenu du prix qu'on paye ces packs-là, s'il manque un booster au total, c'est pas dramatique. Donc, je vais ouvrir les boosters tout en suivant bien ma liste, parce qu'il manque très très peu de choses maintenant. Et j'aimerais beaucoup réussir à compléter quelques cartes. Si on pouvait, sur la totalité de l'ouverture, avoir 10 nouvelles cartes, ce serait déjà très très bien. Allons-y. Crypte oubliée. Récif de corail. Thaumaturge. Le golem. Paladin Rider en 225. Ça, on l'avait déjà. Et l'homme arbre, qui est la dernière carte du set. On l'avait déjà aussi, celle-ci. Mais ça fait toujours plaisir, une petite platine, un vagabond. Elles sont très très jolies, les illustrations de ces cartes. Donc, on ne complète rien avec ce booster. Mais on a des tas de doubles pour faire des échanges. Allons-y. Roi Triton en micro. 262, yay! Une nouvelle carte. Kelpie en médium. Tiens, elle me dit rien non plus celle-là. 332. Effectivement, on l'avait pas non plus. Deux nouvelles cartes. L'exploratrice en micro. On l'avait déjà, mais il nous la manque en médium. La couronne de corail, celle-là, ça me parle. On doit déjà la voir. Exploratrice Rider. Numéro 134, on l'avait déjà. Et E Chevalier Rider en bronze, ça me parle aussi. On avait déjà cette carte. Mais là, deux nouvelles cartes sur un booster, c'est top. Et comme vous pouvez le voir, ce qui nous manque, c'est tout autant des cartes de base que des cartes rares. Donc n'importe quelle carte peut être intéressante pour compléter la série. C'est pas nécessairement uniquement des cartes rares qui sont manquantes. Assemblée des sorcières, celle-ci ne me dit rien, si, on l'avait déjà. Sortilège de croissance, aigle géant en micro, djinn, chevalier spectral rider numéro 306, il nous le manque en argent, mais on l'avait déjà en or. Et Amazon Rider en médium, la numéro 89, idem, on l'avait déjà. Étincelle vitale. Celle-ci ne me dit rien, 176, si, on l'avait déjà pourtant.
Il y a tellement de cartes dans cette série que c'est possible hein, de se faire des fausses joies comme ça. Bon, le dragon de feu en médium, aucun doute, celle-ci, on l'avait déjà. La chimère en micro également. L'ombrifié médium, on l'avait aussi. Nécromancien rider en bronze, numéro 295. On l'a déjà. Et le rat de marée, numéro 285, nous l'avions aussi. Les cartes titane et acier, j'en ai aucune de la catégorie des chevaliers de la lumière. Et ce serait pas mal d'en choper. Le centaure en micro. Manticore. J'en ai qu'une de Manticore, évidemment, ça va être celle-là. Voilà. Il me manque la micro et la méga, mais la médium, nous l'avions déjà. Le chevalier méga, numéro 12. La prêtresse. Jean Rider, numéro 99. Et Vert Géant en platine. On l'avait déjà aussi, on l'a déjà plusieurs fois, cette carte. Donc pour l'instant, seulement deux nouvelles cartes à ajouter à la collection. C'est très très léger. Mais c'est normal, plus on avance, plus on a de cartes. Donc plus c'est difficile d'en avoir des nouvelles. Temple déchu. Le Kraken. Très jolie illustration en platine, le Kraken. Mecha Scarabée. Licorne. Cerbère en platine. On l'avait déjà, mais quelle belle illustration aussi, ce Cerbère. Et enfin, Cavalier des Loups Rider, numéro 206. On ne l'avait pas. Une nouvelle carte. Ça nous fait 3 nouvelles cartes déjà pour la collection. Pour arriver à 10, ça va être compliqué, sachant que si on arrive à 10, il en manquera toujours 43. Bâton guérisseur, celle-ci me parle, la 246, je pense qu'on l'avait déjà, tout à fait. Guerrier. Loup géant, je crois qu'il me le manque en micro, la 204. En médium, 203, il me manque, mais 204, on l'a déjà. Livre de la sagesse. Ah ah, tiare céleste. Celle-ci, c'est certain, nous ne l'avions pas, puisque c'est les chevaliers de la lumière, et que c'est la carte acier des chevaliers de la lumière. Nous ne l'avions pas. Je vérifie dans la liste, mais c'est à peu près sûr, ça. Roi Triton Rider, numéro 268, ça, on avait. Quatre nouvelles cartes pour le moment. On n'est pas tout à fait à la moitié des boosters encore sur cette ouverture. C'est pas trop mal. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Hein, une dizaine de cartes sur la totalité des boosters en nouvelles cartes. Dracobot en méga. Tortue géante en micro. Pégase. Cybermonculus Rider, pas trop de doute sur celle-ci. Il me la manque en bronze, cependant. Nécromancien Rider en méga. Celle-là, c'est pareil, je crois qu'il m'en manque une dans cette série, mais c'est pas celle-là. Non, même pas, les trois, on les a. Bronze, argent et or. C'est la Dracoliche qui me manque. Alors, tout est à l'envers. Hop. Pégase en micro. Simien géant. Élan royal en méga. Il me le manque en médium, celui-ci. Basilic en médium. Et là, j'ai un doute. 344. Non, on les a déjà toutes. Numéro 45. Pareil, ça, on l'a déjà. Et le trident des profondeurs, celui-ci on l'a déjà eu plusieurs fois, la numéro 280. Arc magique. Élan royal en micro. Exploratrice en médium, et toutes les médiums, j'ai un doute à chaque fois, mais celle-ci, effectivement, on ne l'avait pas. Ça complète un petit peu. Rock en micro, je crois qu'on ne l'avait pas non plus, celle-là.
On ne l'avait que en médium. Il nous manque le méga également de Rock. Donc c'est très très bien. On en complète deux nouvelles déjà. Celle-ci, pas de doute, on l'avait. Et enfin, le guerrier rider en micro numéro 196 que nous avions également. Mais on a pu compléter deux nouvelles cartes sur ce booster. C'est déjà très très bien. Si ça pouvait être comme ça à chaque fois, eh bien on avancerait plus vite. Grottes ancestrales. Thaumaturge médium. Celle-ci, on l'a déjà, mais on ne l'a pas eu beaucoup, cette carte. Elle n'est pas beaucoup tombée. Le guérisseur en méga. Il me le manque en médium et en micro. Dauphin en micro. La chimère en platine, on l'a déjà eu. Et le Shaman Rider en argent, je crois qu'on l'a aussi, celle-ci. Tout à fait. Ça devient très très compliqué de compléter. Il me reste un deuxième pack identique à celui-ci d'Amazon avec 24 boosters. Et ensuite, je vais essayer de faire des échanges avec... Ouh, toi, tu ne me dis rien. Ville dans les nuages. Très très jolie carte. Et pourtant, on l'a déjà, mais je n'ai pas le souvenir de cette carte. Elle est très jolie, l'illustration de celle-ci. Allez, après, je vais essayer de faire des échanges avec d'autres collectionneurs. Araignée géante en méga, on ne l'avait pas. On complète un petit peu. La wyverne en médium. Et on ne l'avait pas non plus. Deux nouvelles cartes, très très cool. Encore le trident qu'on a eu tout à l'heure. L'explorateur rider en néo-barbare, on l'avait déjà. Et nous avons Lumière divine, qui est un sortilège des chevaliers de la lumière. Numéro 248, nous l'avions aussi. Pointe d'obscurité, Amazon en micro, le cavalier des loups, on ne l'avait pas, le cavalier des loups en micro, très très bien, Jin en méga, il y a des cartes basiques hein, comme ça de temps en temps qu'on n'arrive pas à sortir, il aura fallu plus de 150 boosters pour sortir certaines d'entre elles, le guerrier rider, celle-ci j'ai souvenir de l'avoir vue plein de fois, et la carte qui ressemble au miroir du reset dans Harry Potter, le miroir mystique, celle-ci on l'a aussi, elle est très jolie cette carte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles illustrations dans cette série. Voilà. Cerbère en médium. Et Cerbère, on a déjà les trois. La Dracoliche en méga. Et je crois que c'est celle-ci que je n'avais pas, la 294. Ce serait une très bonne nouvelle. Oui. Celle-ci, je ne l'avais pas. Et c'est encore une magnifique illustration. La Dracoliche est très, très jolie dans toutes ses formes. Le mammouth en médium, et je crois que les mammouths, on les a complétés. Paladin Rider, numéro 223, on a déjà. Thaumaturge Rider, numéro 9, on a déjà aussi. Et la clairière elfique ne me dit rien. Effectivement, on ne l'avait pas. Très bien, on complète deux nouvelles cartes avec ce booster, c'est parfait. On avance petit à petit dans la série, là, c'est bien. On comptera en fin de vidéo combien de nouvelles cartes on a pu ajouter à la collection, sachant qu'il n'en manquait que 53 au début de la vidéo. C'est beaucoup et pas beaucoup, hein, mais sur une série de 396 cartes, quand on arrive à 50 cartes manquantes, eh ben, on arrive tout doucement au bout. Shaman, je ne l'ai pas en méga celui-ci. La sorcière en micro. Explorateur en méga. On ne l'avait pas. Chevalier Spectral Rider. Il me le manque en... en argent. Si, en argent, il me le manque, celui-ci. Bravoure Naine en titane, numéro 177. Ça, on a déjà. Quand on voit ce dos de carte sur une des dernières du booster, on sait qu'on va avoir une carte platine. Ça fait toujours plaisir, ça. Pour moi, c'est vraiment les cartes les plus jolies sur cette série, les cartes platine. Nid d'araignée. Haut elfe micro. Il nous le manque en médium.
Garuda en micro, je crois que les Garuda, on les a complétés. La tunique de protection, aucun doute, ça, on a déjà. Et effectivement, Kelpie, bon, on l'avait déjà plusieurs fois, hein, le petit canasson, là, en platine. C'est une très jolie carte. Et Sorcy Rider, numéro 189, qu'on doit déjà avoir aussi. Assez fréquemment dans les boosters, les cartes sont mélangées dans tous les sens. C'est pas dramatique, mais ça perturbe un petit peu quand il faut les réarranger à chaque fois. Dracozor, chauve-souris géante, tromblon nain, homme-arbre, sirène rider et O-Elf rider numéro 115. On va vérifier, mais non, nous avions déjà tout ça. On va avoir une petite platine. Venin d'araignée. Ça me parle, hein. Oui. Kelpie, sous sa forme médium. Ça demande vérification, là. Et effectivement, on l'avait pas, celle-ci. Nouvelle carte. Guerrier. Lombrifié en méga. Celle-ci, on l'a eu sur une des dernières ouvertures. On a eu beaucoup de mal à la voir aussi. La chimère qu'on a eu tout à l'heure. Et Guerrier Rider. Nous avions déjà aussi cette carte. Il nous reste 5-6 boosters. On arrive au bout tranquillement sur cette ouverture. On va de nouveau avoir une platine. Possession spirituelle. Tortue géante en méga. J'ai l'impression qu'il m'en manquait une de tortue géante. Peut-être n'est-ce là qu'une impression. Ouais, on avait déjà les trois. Kelpie en micro. Je crois qu'on l'avait. Il nous manquait que la médium, mais on l'a eu juste avant. Corne de la bataille. Oh, une nouvelle carte platine, l'oiseau phénix, celle-ci, je suis sûr de ne pas l'avoir eue. Elle est très très jolie, cette illustration, encore une fois. Voilà, la globalité des artworks sont vraiment bien faits, hein, sur ce jeu. Après, le fait que la licence soit très peu connue, je pense que c'est ça qui fait que le jeu n'a pas fonctionné, puisque la qualité d'impression des cartes et les artworks sont très 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 jolis, donc c'est un plaisir à compléter cette série, et en plus ça coûte pas très cher. C'est aussi un avantage, hein, parce que là on est sur des boosters de cartes qui reviennent, hein, entre 30 et 40 centimes le booster, c'est rien du tout, comparé à ce qu'on peut voir sur d'autres jeux. Camouflage dans la forêt, Dracobot, Explorateur en méga. Ça demande vérification, nous l'avions. Jean, Amazon, Rider et la chimère, Cerbère de nouveau, le chien à trois têtes en platine. Nous l'avions déjà, mais c'est une très très jolie carte. Et pas de dragon de feu aujourd'hui, mais je pense qu'on a été servi sur les dernières ouvertures, on va pas en demander plus. On en aura eu beaucoup des dragons de feu, on en a eu 4 au total depuis le début de l'ouverture, et en comptant uniquement les platines et l'an royal. Scorpion géant en médium, on va vérifier, non c'est bon, on a déjà. Chevalbot en méga, ça me parle aussi. Amazon Rider en bronze et les petites cartes en bronze, je vérifie parce qu'à chaque fois je doute. Sirène Rider, on l'a eu tout à l'heure, on l'avait déjà, je crois que je l'ai 6 ou 7 fois cette carte. Il nous reste 2 boosters. Fosse de combat. Aigle géant en micro. La gargouille en médium. Très jolie carte aussi, la gargouille. Notamment en platine, elle est vraiment très jolie. L'artificier en médium. E-chevalier rider en argent. Et on terminera sur l'Archer Rider en micro. C'est une carte bronze que nous avions aussi.
Et dernier booster pour cette ouverture, en espérant compléter encore une petite carte, ce serait sympa. Pas de platine sur ce booster. La Nécropole, on l'avait, c'est certain. Dracolich en micro, on l'avait aussi. Il nous manquait que la méga au début de cette ouverture et on l'a eu ensemble. Lion mutant médium, j'ai un doute, on l'avait. L'exploratrice en micro, il nous en manquait une, on l'a eu tout à l'heure, c'était la médium. Sage Rider en médium, on l'avait aussi. Et on terminera sur le Guerrier Rider, et celle-ci, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'on l'ait déjà. Donc voilà ce qu'on a réussi à compléter, et c'est pas si mal, j'ai l'impression. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nouvelles cartes. Ce qui veut dire qu'il nous manque 39 cartes maintenant pour compléter la série. Donc on va encore s'ouvrir 24 boosters, ou 23, en fonction de ce qu'il y aura dans le sachet. Et après, je vais essayer de compléter en faisant des échanges. Et il y a encore possibilité sur le site de Panini de commander des cartes à l'unité, mais c'est limité à 25 cartes. Donc il faudra quand même que je fasse des échanges pour compléter une partie, et quand il m'en manquera plus que 25, je commanderai sur le site Panini les manquantes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, la suite demain, suite et fin sans doute, jusqu'à la vidéo où le classeur sera complété, mais dernière ouverture demain. Bonne journée, au revoir.